Bonjour. Ben, je crois qu'on a rendez-vous, non? Non, désolé, non. Bah si, c'est moi, Greg. Enchantée. Mais moi, j'ai rendez-vous avec personne, donc vous devez confondre. Mais c'est pas grave, faut pas se mettre dans cet état. Mais c'est parce que je suis hyper sensible. Ça va? Vous me trouvez ridicule, en plus. J'étais tellement sûr qu'on avait rendez-vous. Bon, bah, si vous voulez, on peut aller prendre un café. C'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai attrapé mon premier coup de soleil. Avec une épuisette. Waouh! Juste à côté. Je me disais que vous aviez peut-être envie de vous prendre un verre. C'est gentil, mais je dois y aller là. Oh non, 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 il faut vraiment que j'y aille. Ce que j'imaginais, je suis vraiment trop con. Oh Greg, ça n'a rien à voir avec vous, je dois juste rentrer chez moi, c'est tout. Allez-y, allez-vous en. Allez-y. Oh Greg! Bon d'accord, mais vraiment pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange pas si j'emprunte la petite porte? La petite porte? Ben... Ah non, non, il n'y a pas moyen. Ah non, toi t'es peut-être hyper sensible au niveau des fondations, mais moi la charpente elle est fragile. Alors t'es bien gentil, mais tu continues à emprunter la porte principale, ok? Oh non! Je ne sais pas si ça me dérange. Je ne Oh putain, l'enfoiré! Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on a rendez-vous, non? Oui! Enchantée, moi c'est Julie. Mais vous êtes un petit peu en avance, non? Je
j'ai pas de montre, alors je ne sais pas. Je... On y va? Vous venez? Oui. Merci hein, d'avoir répondu à mon annonce, vraiment. Parce que aujourd'hui, entre les métrosexuels, les bobos véganes et les hipsters crudivores, franchement, c'est devenu compliqué pour trouver un mec pas trop chouchote. Donc vraiment, merci. Oui, bonjour Julie. C'est Petite Choupette du 9-3. Ça fait 40 minutes que je vous attends et... il me tarde de recevoir ma punition. Thank you.